Bonjour François. Alors évidemment que tu me reconnais. Tu sais que quand je t'ai connu officiellement il y a à peu près 8 ans en 2003, à l'occasion de ma deuxième campagne électorale, tu m'avais impressionné par ta présence. Ta présence avec un charisme, tu étais venu dans mon comté. Et le fait que tu sois sur place avait un peu changé la rencontre. Alors déjà là, je me suis dit, mais qui est ce François Gendron, qui était quand même connu, mais pas tellement vis-à-vis de moi. Alors tu sais, François, je suis restée avec cette image-là. Et quand je suis rentrée au Parlement, tu es demeurée, tu demeures encore la personne ressource, la personne, plusieurs vont te le dire parmi les collègues qui te connaissent bien, qui a un franc-parler et qui a un bon jugement. Alors François, te connaître, c'est de grandir. Te connaître, c'est de partager de grandes valeurs. Et te connaître au Parti québécois, c'est de voir que la ténacité, c'est une très grande qualité chez nous, puis qu'il ne faut pas lâcher. Alors François, merci de m'avoir permis de mieux te connaître et bravo pour ces 35 années de vie parlementaire avec les hauts et les bas que tu as dû connaître. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de te féliciter et de te dire qu'on veut te garder avec nous encore longtemps et surtout avec tout le jugement et la pertinence de ton propos. Alors, bravo François et à bientôt.